Allez, on va commencer la Benoki. Quoique, il reste 1 heure. Parce que la Benoki, c'est extrêmement long comme niveau, je trouve. Le gardien du bouchon. Alors la Benoki que je considère comme le niveau le plus difficile. Bienvenue, tu dois être Mario, je présume. Ta réputation t'a précédé. Quant à moi, je suis un vieil homme qui adore pêcher. Mais dernièrement, nous avons eu de légers problèmes. Regarde autour de toi et tu comprendras. C'est du sirop de pêche. Il est artistique en tout cas, le sirop de pêche. Je ne sais pas qui est responsable de tout ça, mais toutes nos magnifiques cascades sont complètement polluées. Et le pire, c'est que je ne peux même plus pêcher. Il faut que tu enlèves le bouchon pour moi, je t'en prie. Quoi, tu veux bien t'en occuper? Merci 1000 fois. Mais prends garde à toi et à la personne assise sur le bouchon. Va s'en occuper. Vous voyez, comme ça. Non. Mais je peux pas l'avoir. Mais... Wow! Tu sais quoi? Il y a d'autres passages. Et on va utiliser ces autres passages. Genre celui-là. Parce que ça, du coup, ça permet de faire po... Voilà, ça fait popper des plateformes. Mais putain. Ah, oh la vache! Heureusement qu'il y a un point d'eau ici. Allez. Voilà. Fait un boulot de ouf entre niveau gameplay et graphisme. Mais c'est vrai que graphiquement, déjà pour l'époque, le jeu était très propre. Niveau gameplay, c'est extrêmement propre. C'est juste dommage que des fois, le level design, bah, il est pas ouf, quoi. En fait, vraiment, le souci du jeu, c'est vraiment le level design et des fois la caméra aussi. Hein. Parce que la caméra, putain... Elle a du mal, hein. Ouais, il a très bien vieilli. Bon, il a été un petit peu lifté. Il a été passé en 16/9e. Mais oui, il a... En fait, comme dit, graphiquement, le jeu a très bien vieilli, je trouve. C'est juste comme dit, le level design, il est pas ouf par moment, quoi. Mario, merci pour ton coup de main. C'était vraiment spectaculaire. J'aimerais tellement être aussi fort que toi. Au fait, grand-père t'attend pour te dire quelque chose. Alors j'imagine qu'il faut éviter de... Ok. Allez, grand-père! Excellent, monsieur Mario. Félicitations, nos plus belles cascades sont de nouveau comme avant. Mais je ne comprends pas, l'océan est toujours sale. Il me semble que je me sois trompé.
Je crois deviner le problème. Je vais devoir te révéler un des plus grands secrets de la Benoki. Regardez comment il est très bien caché. On le voit d'ici. Cette baie cache en fait le tombeau d'un ancien roi Noki. Quand tu envoies de l'eau sur les peintures des murs, un passage doit normalement apparaître. C'est presque de la magie. Et l'un de ces passages mène à un soleil caché, juré. Cette légende est vraie. Enfin, je crois. Il est pas sûr. Hein. Après, je pense que tu le vois par toi-même, hein. Je veux dire, là, je stream en 60 FPS et tout. Bon, même si le jeu est capé à 30. Hein. Wow. Je veux dire, je pense que tu vois aussi via le stream à quel point le jeu est vraiment pas dégueu, quoi. Oh, il se pose! Voilà. N'oublions pas, les oiseaux dorés, ça donne des soleils. Et c'est le premier soleil caché. Bon, après, ce que j'ai hâte de voir, c'est vraiment comment on va rendre Mario Galaxy par rapport à celui sur Wii aussi. Parce que Mario Galaxy, j'y ai retouché récemment. Pareil, il a très bien vieilli, mais on sent qu'il pixelise un petit peu hein, sur des écrans HD. Hein. On sent qu'il picote. Hein. J'ai pas le temps de m'occuper de vous. C'est parti pour le labyrinthe. Et comme dit les pièces bleues. Alors là, bon, merde, hein, voilà. Comme dit les pièces bleues, on va pas s'en occuper tout de suite. Ah bah qui voilà? L'inspecteur Gadget, évidemment. Merde, j'ai touché le mauvais. Allez, encore une. Voilà. Et normalement, il n'attaque pas avec ses deux pattes arrière. Le fameux tombeau. Bravissimo. Allez, les emmerdes commencent. Les pièces rouges de la bouteille. Oh, de mon temps, sauf qu'on s'amusait avec une bouteille. Oh, les jeunes, ils pensent qu'à jouer aux jeux vidéo à Fortnite, là. Je sais, j'ai la solution à nos problèmes. Il va juste falloir que tu atteignes le fond de l'océan. Juste, hein, juste le fond de l'océan. Juste ça. Je sais que c'est impossible pour l'instant, mais c'est pour ça que j'ai créé cette zone pour que tu puisses t'entraîner. Abracadabra, dans la bouteille, tu entreras. Tada! Tiens, mais mets ça d'abord. Cet équipement te permettra de rester longtemps sous l'eau. Appuie sur ton jet pour te déplacer et collecter les pièces rouges, mais prends garde, si tu commences à manquer d'air, attrape des pièces jaunes pour remplir tes réserves. On y va? Mesdames et messieurs, je vous présente le gameplay le plus dégueulasse du monde!
Alors, je sais que bon, on peut pas vraiment s'en rendre compte en regardant quelqu'un jouer, mais je vous assure qu'ils ont réussi pour moi. Mais ce gameplay est horrible, il est horrible en termes de feeling. C'est n'importe quoi. Ah, il en manque une là. Je sais pas où je l'ai loupée, mais j'ai dû la louper. D'ailleurs, le scaphandre, hein, il sert juste à tenir plus long. Ouf, d'accord, je l'ai loupé là. Allez, voilà. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est juste le début des emmerdes. Maintenant, les vraies emmerdes commencent. La carie d'Anguille. Vous voyez, Anguille veut faire joujou, maintenant c'est... voilà. Allez, je suis enfin prêt pour aller au fond de l'eau. Grand-père, t'attends là-bas et oublie pas ton scaphandre, putain. On va parler à grand-père. Oh. Alors, techniquement, ça, je peux skip, mais bon, hop, on va dire que c'est pour les dialogues. Déjà qu'on parle plus beaucoup de Pianta là. Tu sembles être prêt. Toutes ces souillures sont causées par une anguille géante. Elle a élu domicile au fond de la baie. Elle doit se cacher dans une des nombreuses cavités sous-marines. Je vais te montrer. Vous êtes flippé. Moi aussi. Moi aussi. La cascade créée en enlevant le bouchon a ouvert un passage à travers la pollution. Saute à travers le fond de l'océan et nettoyer les dents de l'anguille. Cela devrait calmer sa douleur et elle devrait retourner d'où elle vient. Allez, arrête de trembler et plonge. Oh, tu m'as pris pour... Tu m'as pris pour qui? Putain, c'est littéralement une cité sous-marine en fait, le truc. Mes capteurs détectent une substance toxique en approche. Je pense que ça vient de ces bulles, les bubules. Allez, c'est parti pour le nettoyage, putain. Allez, Dentiste Simulator, Mario, Dentiste Simulator! Bordel. Vous voyez à quel point les contrôles ils sont horribles là-dedans? Ah putain!
Mais putain, mais en plus je me fais toucher quoi. Ok, non mais je vois rien en plus là. Allez. Ok, deux en moins. Ah, je crois que j'en ai encore une. Allez, pièce. Je suis obligé de battre en retraite à chaque fois. Il en reste plus de deux. Allez, allez, avance, putain! Mais non! C'est chiant. C'est super chiant, je vous assure. Mais putain, mais viens, reviens! Allez, mais putain de... Mais incroyable ça! Allez, non mais... Oh la vache! Ah ouais, voilà ce qui se passe quand on se lave pas les dents. D'accord, là... La cinémat... Je crois que la cinématique, elle a bugué. Je crois que la cinématique, elle a bugué. Yes! La baignade d'Il Piantissimo. Savez quoi? J'ai la flemme de vous parler. Oh, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais pas lui parler tout de suite. Bon. Merde! Alors ici, il y a la turbobuse. Ici, il y a la turbobus, mais pas dans cet épisode. Je suis un peu triste. Les cervelets. Ah oui, les cervelets, tu m'appelles comme ça, toi.
Voilà. Bon, par contre, j'ai récupéré une pièce bleue, faudra que je fasse gaffe. Un éléphant de mer. Bon, vous savez quoi? C'est l'heure des pièces bleues. Ah oui, c'est aussi là où je peux faire les 100 pièces. Non, non, pas forcément ici en fait. Quoique, je sais pas en fait. D'ailleurs, je pense que vous pouvez le voir, l'eau n'est plus polluée. Salut QCFan, comment va? Ça fait super longtemps que je t'ai pas vu, QCFan, ici. Comment va? Cette pièce bleue au secours, quoi. Ça va, tranquille. Je profite d'être en forme le matin, quoi. Voilà, par contre. Hop. Hop, ok, il y en a deux ici. Ensuite. Doucement. Il y en a qu'une ici? Ok. Ok. Alors je crois que l'autre elle est en bas. Non? Non, elle est ici. Non, elle est pas ici. Ta. Voilà, ça vous voyez, c'est du ski là. Je crois que j'ai tout eu ici. Je sais pas si j'ai tout eu, je crois que oui. Je sais pas s'il y a quelque chose ici. Non, il y a l'air de rien avoir. Alors je sais qu'il faut que j'ai 26 pièces bleues. 26 pièces bleues, c'est vraiment le quota que je dois avoir. Salut Metal Kamek. C'est vrai qu'il est déjà 11h. Et là, j'en suis à 13, je crois.
Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh! C'est passé comme une lettre à la poste. J'ai plus beaucoup d'eau par contre. Je dis j'ai plus beaucoup d'eau, mais bon, j'en ai en fait, c'est bon. Ça donne rien, ce truc? Hop! Allez, la caméra, tu peux le faire. On va retourner là au final. Allez, allez, allez. Il y a du mal. Tu peux y arriver, tu peux y arriver. Oui. Est-ce que je peux casser tes trucs, toi? Je vais peut-être essayer de voir si pour avoir quelques pièces que j'ai loupées ici. Ouais, ça se vide assez vite. Mais bon, ça va. Après, c'est pas trop gênant, je trouve. Attends, je vais récupérer les deux dernières pièces, ensuite je pourrais enfin venir faire autre chose. Il reste combien de temps, putain, 1h46. Bah je pense qu'après après les pièces bleues ici et les 30 pièces, on va s'arrêter du coup. On s'arrêtera là après. Et du coup, on finira la Benoki et je suis pas sûr que dimanche ce sera le dernier stream. C'est quoi? La True Strat, c'est celle-là. Par contre, j'avoue que j'ai aucune idée de ce qu'il y a au fond. Donc je vais voir. Oh, je vois. Si, c'est pour une pièce bleue, évidemment. Putain, mais j'y allais pas comme ça, moi. Enfin bref. Allez, on y est presque. Là, il faut monter, hein. C'est super vertical comme niveau, en fait. Oh, attends. Alors ici, faut aller doucement. Sinon, on se prend un Falcon Punch. Et la suite se trouve ici. Oh putain, j'ai réussi.
Go. Allez, quand tu veux pour prendre la dernière, voilà. Alors, c'était pas une bonne idée. Alors ici le mieux c'est de prendre un turbobus, c'est vraiment jouer super safe. Hein. Attends, par contre je vais revoir l'épisode 4 ou 8, ouais il y en a 4. Voilà, 203. Je vais peut-être reprendre du coup la bus de base. Parce qu'il y a un truc ici. Voilà! Il y en a une ici. Et une ici. Voilà. Ça me fait 206. On a les 26 pièces, on a les 26 pièces bleues de l'épisode 6. Mais du coup, les 4 dernières, bah, ce sera pour le prochain stream, hein, clairement. Ah, il se trouve là, en fait. La caméra, la caméra. Mais c'est où? Oh, nice. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Bon les gens, c'est ici que va s'arrêter ce stream, donc voyons nos scores vite fait. On a 76 soleils. Donc il nous en reste, bah il reste ceux de la place Delfino principalement. Hein. Il nous reste 34 pièces bleues. Et ouais, peut-être, alors peut-être qu'on arrivera à finir lors du prochain stream, on verra. Sinon, bah écoutez, tant pis. Et puis, voilà. Bah écoutez, merci d'être passé. Demain après-midi, il y aura du Donkey Kong Country 2, donc avec Body Breast.
Pas de stream ce soir parce que je travaille. Et demain soir, on va essayer de terminer Mario Sunshine. On va essayer, je dis bien. Hein. Sinon, ça prend plus de temps que j'imagine. Puis voilà. Bref, merci de passer et à la prochaine. Salut!